so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, standing on rainbows, playing it cool. I've felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please? Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Petite revue aujourd'hui sur la EAT02 comme vous avez pu le comprendre. Mais petite revue parce que j'ai eu une espèce de rage de dents, de la mort qui tue, je vous dis que ça. Donc voilà, j'ai rendez-vous mercredi prochain chez le dentiste, en attendant je suis sous antibiotiques. Alors je vais faire une petite revue rapide parce que c'est pas top top. Mais je suis là quand même, allez c'est parti. Donc on se refera une autre vidéo bien sûr complète sur cette petite EAT02. Ce qu'on peut dire c'est que ça marche. Un des plus gros Bigfoot que j'ai testé jusqu'à maintenant, ça reste du 1/8, mais les pneus font 17 cm de diamètre. Bien sûr on ira faire du saut, aujourd'hui le terrain n'était pas dispo. J'ai mis le GPS en route. Ouhouhouhou ! Ah ça lève, hein. Ça lève plutôt bien. Bon, bien équipé comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Franchement, c'est du gros matos. Alors après, qu'est-ce que ça vaut dans le temps chez eShine ? On aura l'occasion de tester à plusieurs reprises, bien sûr. Ouf. Petit démarrage. Ah, ça accroche vraiment dur avec ces pneus là, c'est clair. On va se mettre sur l'air pour tenter les wheelings. Ouais, ça accroche mieux sur l'herbe, c'est sûr. Bon, pareil, on ira sur bitume. Départ arrêté. Ah, il y a moyen de la tenir, hein. Après, c'est chaotique, là, c'est sûr. Elle en veut. Wow. C'est vraiment un monstre à piloter. Wopé ! Oh, 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 violent, je crois que j'ai cassé du matos là. Oh oui, ma carrosserie est passée au travers. Bon bah ça tiendra encore, je ferai une petite réparation. Mais là j'ai éclaté la carrosserie. C'est sûr que la voiture est lourde, hein, elle fait 5 kg pratiquement. Donc ça pardonne pas des masses, c'est clair. Bon bah quitte à tout casser, on va aller se faire un petit saut par là-bas, il y a des voitures mais... Je pense que la petite bosse est libre. La radio commande, elle, est plutôt bien foutue. Une radio ZD Racing.
Il y a pas mal de pièces ZD Racing sur cette voiture. D'ailleurs, il y a beaucoup de pièces qui sont compatibles avec la Pirate 03. Donc, je mettrai des références dans la description, bien sûr, avec un lien pour la voiture et un code remise. Mais est-ce qu'elle vaut le coup ? Ça, on le saura certainement, mais dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, elle est fun. Pour l'instant, elle envoie sérieusement du pâté. Mais on verra ce que ça donne au niveau résistance. Là, je crois que j'ai pété le pare-choc et la carrosserie. C'est pas ce qui revient le plus cher en pièces détachées, mais en même temps, elle fait 5 kg et j'ai fait des soleils. Bref, sur la radiocommande, on peut inverser bien sûr le throttle, on peut inverser également la direction et on a 4 réglages de trim. Donc celui de gauche, on va pouvoir régler la proportionnalité de la direction. Vous voyez, là, je tourne à fond et ça tourne à peine. Donc on va pouvoir régler l'amplitude de la direction. Juste au-dessus, on a le réglage de trim, bien sûr, pour le parallélisme. Donc, pour pouvoir aligner sa voiture. Là, c'est pas trop mal. Est-ce que je suis droit ? On va venir droit vers nous. Allez, là, la direction est assez sensible. Donc là, elle tourne à gauche. Donc, c'est sûr... Non, elle tourne à droite, pardon. Donc, c'est sûr que c'est mieux sur le plat. Voilà, hop, c'est réglé. Et à droite, vous avez les réglages pour le throttle. Donc là, c'est pareil. Si vous tournez celui-ci vers la gauche, vous allez avoir la marche arrière. Donc vous aurez moins d'accélération. Et si vous le tournez vers la droite, la voiture va partir en marche avant directement, sans accélérer, comme vous le voyez ici. Et donc, on aura un peu plus d'accélération. C'est dans cette position-là qu'on testera réellement la vitesse sur route. Parce que là, elle est donnée pour 90 km/h. On sait que généralement, c'est environ 10-15 km/h de moins. Donc, on verra ce que ça donne sur du bitume. Là, je pense qu'on atteindra les 57-60 km/h sur une surface comme ça. Et le dernier bouton en bas à droite ici, c'est simplement pour régler votre vitesse maximale. Donc si on met à 0 ici et que j'appuie, on n'a rien du tout. Et si je tourne proportionnellement, vous voyez, là, je suis à fond. Et donc, on va pouvoir régler la vitesse maximale. Là, on est vraiment au ralenti. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Radiocommande assez complète. On a un USB, je ne sais pas à quoi il sert encore. Le bouton de mise en route, bien sûr. Et on a Channel 4 et Channel 3 ici. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter, par exemple, un klaxon ou des phares, tout simplement. On va pouvoir ajouter des options sur sa voiture si on veut. Allez, c'est parti! On va finir de la casser. Donc nous voilà sur la petite bosse fétiche. On va y aller tranquillement. Alors une chose est sûre avec cette caisse, c'est que même si on n'a pas la vitesse de pointe annoncée, on va avoir un gros couple grâce à ces gros pneus, justement. Elle entraîne vraiment bien. Hop là, bien, réception sur la roue. Ça teste justement la résistance du châssis. Tout va bien. J'étais pas super bien aligné. Ah, le carénage, il en a pris un coup. Hop là, sur les roues encore une fois. Le châssis, lui, a l'air de bien tenir la marée. Tant mieux. Grosse réactivité en l'air, bien sûr, toujours à cause des pneus. Et le carénage qui fait des grands signes. Bon, j'ose pas trop tenter le salto, sachant que la carrosserie est plus trop bien accrochée. Allez, on tente, c'est parti, on tente. Superbe. Il est passé. Bon, en tout cas, les amortisseurs fonctionnent super bien. Ils sont réglables, hein, bien sûr, c'est du bain d'huile. Commencez doucement pour les sauts, hein. Allez-y tranquillement, essayez de garder votre assiette, regardez doucement, hop,
Là, j'accélère un petit coup pour éviter que ça pique du nez. Vous le savez, hein, si votre voiture pique du nez, il faut réaccélérer un petit coup. Et au contraire, si le nez il lève, on freine pour rabattre le nez par terre. Donc bien sûr, après, c'est une question de timing et de réglage. Allez, fin de batterie, il n'y a plus de jus. Donc on éteint d'abord la voiture. Petit interrupteur bien pratique. Tac. Et ensuite la radio commande. On va tout de suite vérifier à combien on a roulé. Alors, vitesse maximale atteinte aujourd'hui, 57 km/h. Je m'en doutais, entre 55 et 60 km/h pour un revêtement comme ça. Donc on ira tester sur route, bien sûr. Donc ben voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Ben, en attendant, le châssis, lui, il a bien tenu. J'ai cassé simplement la carrosserie, le carénage, bien éclaté d'ailleurs. Les deux points de fixation ont éclaté ici, sur une des premières grosses gamelles. On fera bien sûr d'autres tests avec pour savoir ce que ça vaut. En attendant, le châssis a l'air plutôt correct. On verra par la suite au niveau de la transmission. Mais c'est un engin bien, bien lourd. Donc c'est vrai que les carrosseries, à mon avis, ne vont pas résister des masses. Parce qu'avec le poids qu'elle fait, le pauvre plastique, là, il tiendra pas grand-chose. On va le renforcer avec du scotch. Peut-être même de la résine. Allez, moi là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, mieux que moi. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.